Il nous a fait. Dieu, notre Père Céleste. God, our Heavenly Father. Chaque fois que nous venons en ta présence, every time that we come in front of c'est you, une grande bénédiction it's pour a nous. Great blessing for us. Nous pouvons le ressentir dans nos âmes. Et même notre chair ressent cette présence. Feels that presence. Mais un jour, but one day, et c'est pour très bientôt. And for sure, ça sera bien plus que cela, Seigneur. It will be greater than what we can parce que today. Nous te verrons face à face. Because we will see you face to face. En attendant ce jour, Seigneur, waiting for that moment, Lord, aide-nous à racheter le help temps. Us to be to buy some time. Oui, c'est quelques moments que tu nous donnes encore. May this, servir énergiquement à nous préparer à te rencontrer. Strength and energy regarde to chacun au travers du sang. Keep each of us under the blood of Christ. Péché. Forgiving all sins. C'est à toi que nous nous recommandons. We commit ourselves to you. En appelant ta présence maintenant. Calling on your presence now. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Bénis Israël. Bless Israel. Surtout par ce moment-ci. Especially in this tough moment. Dans lequel ils sont en train de passer. Je prie que tu les bénisses. I am praying for et them. Et que tu fortifies leur fondation. And you may fortify the foundation. Leur fondement. The foundation. Oh notre Dieu. Oh our Lord. N'oublie pas aussi la voix de Dieu. Don't forget the voice of au God. De in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. I greet each and one of you in the name of the Lord Jesus Christ. Et nous rendons grâce à notre and Dieu. We're giving praise to our God. Donne cette occasion for this opportunity given d'être réunis maintenant comme ceci. To be together. La journée du 31, nous allons essayer de faire que ce culte soit en direct. On va le diffuser partout dans le monde en direct. So the day of the, cela m'a été demandé de l'étranger. The very first will be online. Nous allons donner this le message was asked, by those who are sur le site on the site, pour indiquer aux gens que le 31 so that the 20, ils auront the un live streaming will, sur le culte qui aura lieu ici will have the live streaming du début controlling jusqu'à the worship la fin from the beginning till the comme end. On avait fait pour le baptême du Saint-Esprit du 13 novembre as we did for the baptism of the donc Holy tout ce qui se fera ici that will be sera done suivi here. À l'étranger donc quand vous prêcherez là when we preach vous here, serez vu à New York they will see you. Maintenant now, je voudrais juste river le clou sur ce que le frère Audrey a dit tout à l'heure à propos de la Sainte Seine. Moi, je prends juste une seule écriture. Concerning the communion, I'm just going to take one scripture pour vous soutenir assez. In order to make your strength, moi, je prends juste une seule. I'd like just to take one. Dans la brochure l'ordination. The brochure ordination. La brochure l'ordination. The brochure ordination. C'est prêché le 4. This was delivered the 4th of November 1962. Le 4 novembre 62. The 4th of November 1962. Alors, on me dit, je vais du paragraphe 3 I'm going to check from, jusqu'au paragraphe 5. To me dit, et maintenant, nous allons avoir la communion ce soir. And now we're going to have communion tonight. Et c'est le moment que nous apprécions tous. And that's the time that we all enjoy. Et j'en suis sûr. I'm sure. Je pense que c'est ce qui fait les délices du cœur d'un chrétien. I think it's the delights of the Christian's heart. C'est de savoir qu'il vient pour observer un I think commandement. The delights, I think the delights of the Christian Jésus heart nous is to a know laissé. That he is coming to keep a commandment il y a deux that Jesus commandements left us.
the are two que Jésus nous a laissé. But Jesus left us. Deux. Two. Alors, certainement, for sure, quand Frère Audrey a prêché, brothers, même quand moi-même j'ai prêché even when I used to, dans to les preach, années passées, nous avons dit qu'il y a trois commandements que Dieu nous a laissés, pour ceux qui peuvent se rappeler. Ici, Frère Branham dit deux. C'est là où on dit que le message se contredit. C'est là. Bon, attendez de voir si ça va se contredire. Just try and see if this is going to be, il y a deux commandements que Jésus nous a laissés. There are two commandments the Christ deux choses matérielles. Two material things. L'un d'eux, c'est le service de communion. One of them is the communion service. Et l'autre, c'est le baptême d'eau. And the other is à part water ça, baptism. Otherwise, il n'est pas question de toucher, there's no touch, and plus rien de tout ça. Nothing else left in it. Voyez-vous, see? Pas question de pénitence, no penance, de se traîner sur les genoux, and dragging on your knees, et tout ce genre de choses. And all these other kind il n'y a things, que le baptême d'eau just water, et la communion. And communion. Alors ça nous fait toujours so plaisir de venir pour ceci. To come to this. Je crois que la Bible dit I believe the Bible says, heureux blessed, celui qui observe ses commandements commandement, afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de vie. To enter into the tree of life, car d'entrer dans la ville, into the city, la ville sainte, the holy city, car dehors les chiens, for without les our impudiques birds, et ainsi de suite qui seront so jetés dehors. Which will be cast et away. Puis, and then, le service de communion est toujours un service très strict. The communion service is always a really strict très one. Strict. A really strict one. Parce qu'il nous amène à une confrontation. Because it brings us to a showdown. Comme nous le lirons tout à l'heure as dans l'Écriture. As we read in a little while in the Scripture. Amen. Voilà. Sure. Alors, la nuit du 31, nous allons passer notre réveillon devant Dieu. We'll have our il y a une année qui s'achève. So one a year is finishing, s'ouvre, and another one is, en tout cas, le meilleur endroit is telling, où un chrétien so the best way where puisse a Christian être may dans be, un tel moment, at that moment, c'est dans la présence de Dieu. Is in the presence of the Lord. Si vous allez dans un bar, if you go and drink, dans une boîte de nuit, or in a, ou que même chez vous, nightclub, or just vous vous preniez de l'alcool, vous célébrez cette journée, day, posez-vous la question, just ask this question. Qu'est-ce que la bouteille d'alcool a fait pour vous soutenir pendant l'année qui s'achève? What's good that bottle of beer they, je crois que nous devons rendre grâce to you during that year. I think à we have qui to de droit. To the one that deserves c'est it. Dieu qui nous a gardés, God keeps qui us, nous a soutenus dans hers, nos maladies, sicknesses, difficultés cultures, et nos épreuves. And our trials. Donc nous venons dans sa présence. Then we will come in his presence. Et à cette occasion, in that moment, nous observons un commandement que Jésus nous a laissé, que nous appelons la Sainte Cène. To follow a commandment on that dit aussi communion, le souper du Seigneur. The supper on of dit the encore Lord, so say, le repas du Seigneur. On dit the, aussi, the meal of the et Lord. Enfin, et à tort, la communion. And communion. À tort. Wrongly. Parce que ce n'est pas le vrai nom. It's not the real communier name. Signifie causer. To donc talk. On ne devrait pas appeler cela la communion we shouldn't call parce it que nous communion. Ne venons pas pour causer. Because we don't come here to, voyez-vous, donc c'est to à tort. This was mais take, c'est l'appellation populaire it's, a popular connue de tout le monde. Spelling. C'est pourquoi, that is why, comme Frère Branham, Branham, gardons la même appellation. We keep the same nous calling. Pouvons aussi dire communion. We can also say mais communion, quoi que nous sachions nous-mêmes, but, que we ce know, n'est pas le vrai nom. We know that it's not a true or a real c'est clair? Is it clear? Et à cette occasion-là, and at the moment, nous prenons donc cette Sainte Cène, we will take that, cette communion, that communion, ce repas du Seigneur, the ce souper meal, du Seigneur. The Lord's et supper, pendant que nous prenons cela, it, nous partageons du pain et du vin. We'll share wine pain, and bread. Symbole de son corps, brother, bread, qui a été offert pour nous en sacrifice. Mother, like, c'est pourquoi il est fait that was made, has sans le vin. That is where, so et quand on married, touche ce bout de pain-là, c'est it, une galette, it's a count, c'est rugueux, it's parfois it's strong, un peu dur. Bit, mais c'est pour rappeler les souffrances de Christ à Golgotha. Que c'est fait comme ça sans levure, afin que ça puisse avoir cet aspect. So that these may have that mais quand aspect. Nous venons, when come, nous prenons une portion, portion de ce pain. Portion pourquoi of une portion?
un pain entier qui a été fractionné. Vous venez prendre un morceau. Vous prenez un morceau pour symboliser le fait que vous-même, vous faites maintenant partie de ce corps de Christ. You belong to de ce pain, the body of Christ. Vous en êtes une partie, un membre du corps de Christ. Autrement dit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Autrement dit encore, on ne peut pas prendre la Sainte Cène sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Without having the baptism of the Holy Spirit. On ne peut pas. We cannot. Parce qu'il faut être membre du corps. You have to be the member of the body. Il est écrit, 1 Corinthiens 12, verset 13, par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Ensuite, nous prenons le vin, qui est le symbole du sang de l'alliance par lequel nous avons été sauvés. Amen. C'est pourquoi nous prenons cela. That is why we take it. Et si nous prenons ce vin, symbole wine, du sang par lequel nous avons été lavés, sauvés, alors nous devons donc prouver que nous continuons à marcher sous le sang de Jésus, c'est-à-dire en conformité avec sa parole. Si donc quelqu'un ne vit pas en conformité avec la parole de Dieu, il n'a pas le droit de s'approcher de la table du Seigneur. Le sang est là pour l'indiquer. Vous devez être sous ce sang et sous ce sang en permanence. Alors, s'il y a quelque chose qui vous a sorti du sang, autrement dit, s'il y a eu un péché, alors vous devez arranger ce péché pour vous approcher de la table du Seigneur. Maintenant, quand on s'approche de la table, when we come near the table, la Bible dit says, que nous devons prendre cela dignement, we have to take it worthily, étant en ordre. Being in order. Autrement, otherwise, si nous ne sommes pas en ordre, if we are not, nous allons in order, prendre cela we will take indignement. And worthily. Celui qui prend when cela we take it, dignement, worthily, est béni de Dieu. He is blessed of God. Les enfants d'Israël, Israel, quand ils ont fait cette Pâque autrefois, when they had Easter last time, eh bien, ils ont marché 40 années dans le désert. Aucun souliers n'était usé. 40 days in the wilderness. Aucun habit n'était déchiré. No, pendant 40 ans, Dieu les avait gardés. God keep, et le prophète dit, says, il y a la guérison derrière la Sainte Cène. Communion. Mais si nous prenons cela indignement, parce que nous ne sommes pas en ordre, alors là nous prenons un jugement contre nous-mêmes. Et la Bible dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des gens qui sont morts, il y en a d'autres qui sont malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète parle même de la mort physique, des maladies physiques, ce n'est pas spirituel, parce qu'on aurait pris la Sainte Cène indignement. C'est donc en cela que c'est très sévère. Maintenant, Jésus dit, Jesus says, celui qui ne mange ma chair the one who cannot eat my et qui flesh, ne boit mon sang drink of my n'est pas digne de moi. Is not worthy of me. Ça veut donc dire que chacun de nous qui se dit chrétien doit impérativement prendre la Sainte Cène. Mais chacun ne doit pas la prendre indignement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous fouillons la nuit de la Sainte Cène, Jésus n'oubliera pas que vous avez fui. Christ will never forget it. Et vous n'avez pas de part avec lui. Cela veut dire que si Jésus venait maintenant, toi tu restes. You would leave. Mais si tu viens aussi manger indignement, if you also come and take it and worldly, tu meurs. You die. C'est en cela
que c'est strict. That is why so say that it's oblige de mettre sa vie en ordre. It requires to put one's life in order. Des mensonges, liars, des critiques, des vols, des rapines, des choses comme ça, des gyms non payés, des offrandes négligées. Maintenant, vous êtes en face de cela. Now you are before it. Amen. Et il n'y a pas moyen no need de s'y soustraire, to take yourself away ni from vous, it. Ni moi, you personne. Me, no one. Et vous et moi, me, nous sommes égaux devant la parole. Before the world. Le pasteur est d'abord un chrétien the pastor is a Christian avant d'être un serviteur de Dieu. C'est un frère parmi ses frères que Dieu a pris et a élevé. Donc, il n'est pas exempté de ses principes. Ça nous concerne tous. Alors, je vous l'ai dit. Donc, je crois que maintenant, je suis libre de votre sang. Parce qu'il fallait que je vous le dise. Avant que nous ne passions devant la table. Tu peux fuir si tu veux. La nuit, tu te fais malade. Ou tu fabriques un voyage. On m'a appelé d'urgence, pasteur. Oui, tu peux partir. Mais ça prouve que si Jésus venait maintenant, il dit, frère Branham, tu vas rester. Or, les prophéties sont maintenant en train de s'accomplir sous nos yeux. Ce matin, pendant que je venais, il y a eu un attentat dans une église. J'ai oublié le pays, ça doit être l'Afghanistan. Ce matin, des chrétiens, il y a plein de victimes. Je me suis dit, mais Seigneur, quel est ce monde où chaque jour, il y a une nouvelle désagréable? Quand on grandissait, ce n'était pas comme ça. La prophétie dit, la terre est vieille. The is old. Même ces montagnes sont vieilles. Even its hills are old. Là où on n'avait pas de mares hier, regardez vous-même, aux mêmes endroits, aujourd'hui il y a des mares et il y a des affaissements, des dépressions. Mais la pluie qui tombe là, c'est la même qui tombait il y a des années. C'est la vieillesse du sol, c'est la prophétie en train de s'accomplir sous nos yeux. Et vous n'oubliez pas que nous sommes en face d'une prophétie grave. Jérusalem, devenue capitale d'Israël. Les Juifs l'ont acté. Et à l'heure où je vous parle, les Juifs se sont rués devant le mur de lamentation. Presque toute la nation devant le mur en train de pleurer. Que se passe-t-il? Quelque chose annonce la clôture de l'histoire. Et au même moment, il y a des Juifs qui rentrent, ceux qui étaient encore dans d'autres pays. À l'heure où je vous parle, ils rentrent. Ils viennent du Mexique et de partout. Ils repartent en Israël parce que l'heure a sonné. Le Messie doit leur apparaître. Mais quand Joseph s'est révélé à ses frères, son épouse était au palais. His bride was in the palace. Et si notre Joseph doit descendre, se révéler à ses frères bientôt là, nous devons quitter la scène et aller au palais. And go to the house. Amen. Alors, je vous le dis à vous et à tous les chrétiens du monde entier. Maintenant, faites cela. Alors, Frère Branham a dit ici qu'il n'y a que deux commandements que Jésus nous a laissés. Communion et le baptême d'eau. What a et nous-mêmes, nous avons enseigné and we have William Branham aussi dans d'autres to, prédications teaching, que Jésus nous a laissé Christ trois commandements. Ici, il dit deux. Here he says two. Là où il parle de trois commandements, il y a naturellement le baptême d'eau, il y a la Sainte Cène et il y a le lavement des pieds. And we have God, so the washing on of dit feet, aussi lavage des pieds. Or enema voilà of les trois. Baptême d'eau,
communion, lavage des pieds. Mais ici, Frobanam parle uniquement speaking of la communion, communion et and du baptême d'eau. And water baptism. C'est correct. It's correct. Le baptême d'eau, en général, in general, est toujours associé à la Sainte Seine. It's always associated to et ça se fait toujours en général le même jour. En général, this is, on peut décaler d'une journée s'il y a un problème, mais sinon en général, ça se fait le même general, jour. So we have got these voilà two pourquoi events in the same ici, that is why il here, veut parler de deux commandements seulement. Parce que le lavage des pieds est toujours associé à la communion. Il n'y a pas de contradiction. No contradiction. Et c'est un message merveilleux. A wonderful message. Voilà un peu ce que je voulais vous dire avant you know before, toute chose. Alors, que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. J'ajouterai seulement, I will just add, s'il y a quelque chose qui doit être mis en ordre, faites-le. Faites-le.